Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, oui, ce petit format est encore revenu pour la deuxième fois. Je m'excuse pour la qualité d'image. Comme vous voyez, j'ai plein de caméras qu'il faut pour vous filmer. Mais aujourd'hui, il y a encore une news qui vient de tomber. Il y a Guerrilla Games qui vient de nous présenter un nouveau trailer du jeu, du futur jeu qui va sortir, à savoir Horizon Forbidden West. Et ici, on a plus d'éléments d'information. Et on va découvrir ensemble ce trailer et on va analyser ensemble juste après. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations. Allez, c'est parti. On va voir. On y va tous ensemble et on est en direct. Let's go. Quand je me fasse. Elizabeth. The land is dying. People are suffering. Soon. Machines meant to help us are out of control. I have to find a way to fix it all. And the answer is somewhere out in the Forbidden West. Secrets he has. He's keeping to himself. And the solution I need is broken and scattered. Everywhere I look, things are falling apart. I don't know if I can find a way forward. Like Elizabeth did. All by yourself? Ha! No way. I'll be careful and... We're coming with you. We will find the answers. But beware. We're not the only ones who seek them. Les amis, oulala. Ça, c'est du lourd. Franchement, je ne m'y attendais pas. C'est un truc de barge. Ça, il n'y a rien à faire. Pouf! Ah là 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 là. Eh bien, vous voyez vous-même, le trailer était là. Et on peut repartir sur le trailer tout de suite. Là. Il y a différentes informations qu'il faudrait qu'on essaie d'analyser un peu plus ensemble. Parce que ici, comme vous avez pu le constater, on va un peu couper le sound et on va un peu revenir. Là, comme vous voyez, ici, à l'œil... Que ça se voit, ça se voit, ok. Voilà, ici Aloy n'est pas vraiment seul. Donc, d'après certains dires de la part de Guerrilla Games, dans ce jeu-ci, dans ce nouveau Horizon, Aloy sera accompagné de certains autres personnages que nous connaissons déjà, mais il y aura aussi des nouveaux personnages qui vont arriver. Et ces informations, nous pouvons également les retrouver. On les verra tous ensemble. Ils sont disponibles également sur, voilà, ici, sur le PlayStation Blog.
Ça, c'est le blog officiel de PlayStation où vous avez toutes les informations ici. Et le jeu va se passer sur la partie oubliée ou la partie prohibée, la partie ouest de la zone. Voilà pourquoi ça s'appelle le The Forbidden West. Et dans cette zone-ci, vous avez les nouveaux protagonistes qui vont arriver, les rebelles qui vont être là. Et ce sont des rebelles qui sont les plus dangereux, qu'on nomme, si je me rappelle... Voilà, nous trouvons également les rebelles qui s'appellent ici les Regala. Et c'est, pouf, c'est quelque chose de complètement... On ne s'y attendait pas. C'est Guerrilla Games, c'est PlayStation. Voilà, en gros. Et ici, comme j'ai dit précédemment, vous ne serez pas seul lors de vos missions. Vous aurez vos anciens amis qui sont là. Vous aurez aussi des nouveaux qui vont apparaître, comme Ekaro qui sera là. Le chef de la tribu des Tenax. Il y aura aussi Tilda. Alors, Tilda, c'est un personnage assez exceptionnel. Pourquoi je le dis ? Voilà, c'est la dame que vous voyez apparaître à la fin. Celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de retrouver à quoi ressemble... qui peut être cette personne ? Qui peut être ce personnage ? En 5 secondes. Est-ce que... Là, vous avez une idée de l'actrice principale qui joue ce rôle ? Oui, ça peut paraître un peu fou. Mais il s'agit de celle qui a tourné... Celle qui a joué le rôle de Trinity. Et oui, c'est elle, la seule et unique. Son nom, c'était Carrie Ann Moss. Voilà, exactement. Donc, c'est elle qui joue le rôle de ce personnage-ci, pour lequel on n'a pas plus d'informations. Il y a un élément qui m'a fait un peu... Je sais pas, ça m'a mis un peu bizarre. Je vais vous le montrer, là, vite fait. C'est une réaction à chaud, hein, donc voilà, quoi. Voilà, pile poil celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez la porte, à quoi elle ressemble ? Ce symbole-ci. Ce même symbole qu'on a l'habitude, qu'on connaît dans Assassin's Creed. Assassin's Creed, en général, c'est comme ceci. Donc, je ne sais pas si ce sera un genre de... qu'on appelle... la porte. Dans Assassin's Creed Odyssey, il y avait une zone spéciale où lorsqu'on arrivait, on avait l'impression d'être en communication avec ces entités, tout ça. Est-ce que c'est la même chose qu'on aurait ici ? Est-ce que c'est autre chose ? Ça, on ne sait pas. On n'a pas plus d'informations là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera un véritable open world très, très vaste, qui aura beaucoup de tribus qu'on va rencontrer, qu'on n'a pas encore le nombre d'heures de jeu. Il sort ce 18 février, si. Moi, je l'attends avec impatience, ça n'a rien à faire. Et puis voilà quoi, c'était des petites news vite fait. Donc, on sait qu'on a l'actrice de Trinity qui est là, qui joue le rôle de Trida. On sait qu'il y a encore 3 autres personnages qui vont se rajouter à l'équipe. Maintenant, est-ce qu'ils vont être tout ensemble tout du long ? Ça, on ne sait pas encore. Les différentes scènes qu'on a eu à voir dans les épisodes précédents, dans les trailers précédents, ne représentent pas même le début du jeu. En fait, c'est juste une petite partie du jeu, en fait. Mais bon. On attend de voir plus d'infos, plus de news. Je vous le dis, tout ce que je pense à chaud. Et... Oh là là, il me tarde de revoir ce jeu, quoi. C'est pas possible, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Vraiment, j'espère qu'il sera au top. Et comme vous avez pu le constater, ces Regala ont pu mettre main à cette technologie. Ici, ces machines ont complètement pété les plombs. Tout le monde est en danger. Donc, à l'heure de faire le nécessaire pour que tout se passe bien. Ok, mais comment ça se fait ? Là, déjà, on a des différentes interactions avec l'eau, ce qu'on n'avait pas avant. Il y a tellement de choses qui sont en train d'être mises à jour, d'être améliorées. Et ça, c'est pour notre plaisir à tous. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous attendez de ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux différentes news que nous avons actuellement ? Peut-être que je vous en donnerai plus de news sur un blog que je raconte sur ma page Facebook. Voilà. Je suis complètement paumé. Mais pourquoi je fais toujours ces news à tard le soir ? C'est bizarre, quoi. Wow, bref. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser toujours votre petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. C'était une petite vidéo en passant. Et on est là. On attend le 18 février pour tester en main The Forbidden West. Peut-être que je l'aurai day one ou pas. Tout dépend de vous, mesdames et messieurs. Allez, on se dit à bientôt. Bye-o!